Allez, bonjour à tous, je vais vous donner un peu de mes nouvelles. Alors, je voulais faire un direct. Franchement, vous savez quoi? Ben non, ça n'a pas marché. Donc là, on a la petite cabane au fond du jardin. C'est toujours une valeur sûre. On est... Moi, j'ai fait un pari, il y a du gros. Il y a du gros, il y a du lourd. J'ai essayé de voir, je me suis pris quasiment un frelon dans la tronche. Waouh, 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 waouh. Le monsieur me dit, ouais, un gros ballon de basket. Je lui ai dit, oui, peut-être. Je le vois d'ici, vous ne pouvez pas le voir. Moi, oui. Et il m'a dit, je m'excuse, j'ai pas rangé. Tu m'étonnes, bonne idée. Le truc, il est là-bas. On le devine. Hein. Bon, là, ce qu'on pouvait voir, c'est les allers-retours. Hein. Vous voyez, ça rentre, ça sort. C'est, voilà. Et donc, là, ils m'ont pas vu. C'est pas mal. Le truc, c'est pour arriver là-bas. Waouh, 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 waouh. Oh, le truc est énorme. Alors Cyprien, hein, je sais que, hein, Kevin, l'histoire de Kevin, ben là on va essayer de les compter pour voir. D'ailleurs, je serais curieux de te voir un jour sur un Islandais pour voir un peu ce que ça peut donner. Enfin bon, non, c'est parce que j'ai dit, il y avait deux nids, mais il y en avait un troisième. Alors j'ai calé les deux nids, ça faisait 3000. Et non, 3 nids, ça fait, oui, je sais, oui, 3 nids, ça fait 4500. Mais bon, je ne suis pas allé souvent à l'école, mais quand même. Non, je parlais des deux nids que j'avais en face, mais ça, et de pas de deux nids. Bon, allez, on va passer à autre chose, parce que ça, en fait, en gros, je m'en tamponne un peu. Par contre, ce que je voudrais vous montrer, putain, le truc est énorme, il a pris toute la chaise. Je sais pas du tout comment je vais faire pour y aller. Putain. Voilà, l'engin de nid de frelon. Aïe, 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 regardez cet engin, quoi. Oh, le truc, quoi. Bon, je sais pas comment je vais faire. Il est très, très gros. Aïe, 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 aïe. Ça y est, en plus, j'en ai déjà pris un dessus, alors que j'ai rien demandé. Mais ça, c'est les dommages collatéraux, en fait. Ça y est, j'ai du monde, j'ai du monde. Ouais, c'est juste le fait de me voir bouger. En fait, il faut que je passe de l'autre côté, je ne sais pas comment faire. Ah, engagez-vous, qui disait. Ah. Wow. Alors, je ne sais pas si je risque ce que je risque réellement. Coucou. Le truc est énorme, on a tout le loisir de le voir. Je ne sais pas si je ne vais pas risquer de me casser une cheville. J'aurais dû dire au monsieur, si vous ne me voyez pas revenir dans une demi-heure, c'est qu'il y a un problème. Putain, cet engin. Ah, ça y est, ils vont m'attaquer en plus. Ah, les cons. Regardez là. Vous voyez, ça, c'est typique hein, du frelon asiatique. C'est quand il commence à faire ce genre de truc, ça y est. Hein. Regardez ça. Waouh. Cette dégazée que je vais prendre. Bon, après, c'est vrai que c'est mon métier, hein, on est d'accord, mais c'est toujours assez impressionnant. Je pense qu'ils m'ont pas vu en fait dans le bordel. Mais là, faites gaffe, hein, ça. C'est dangereux. Hein. Puis là, on est sur des gros insectes. Alors, faut savoir qu'on est en pleine période de fécondation. Ah, je vais m'empêtrer dans le. Ouais. Voilà. Bonjour à tous. Et voilà, c'est les joies du pas direct. Ça y est, j'ai déjà des amis. Donc là, quand ils font ça, là, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Là, vous êtes bon, j'en ai déjà dessus. Là, je vous redonne des nouvelles de mon aiguillon, n'est-ce pas, Fabien? Je suis obligé d'escalader. Bon, on va traiter, on va discuter après. Mais là, le problème, c'est que j'arrive même pas à accéder au truc. Donc en fait, je comble, je discute, je comble. Ah. Ah, il y a un vieux 102. Et on va essayer d'aller voir un peu ce qu'on a là-dedans. Mais bon, allez. Du coup, on y va. Je sais pas ce que vous verrez. Bitiop. Allez, ça fort. Ouais, c'est bien Bitiop. Et il est fort, ce Bitiop. Oh là 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 là, quel dégazé. Ah, du coup,
Là ici ça va. Franchement c'est cool. Mais c'est pas l'Inter rêvé. Il est vraiment très gros. Il a pris quasiment les deux chaises en fait. Le monsieur avait regroupé les chaises. Enfin bon. Ah vous voyez, au fait, je vous le disais, si un jour vous faites attaquer par un nid de frelons, là celui-là, je sais pas si vous avez fait gaffe, il volait tout de travers. Si un jour vous faites attaquer par un nid de frelons, courez, hein. Parce que si vous courez pas, vous êtes mort. Bon, après, si vous courez, vous êtes quand même pas bien, mais bon. En tout cas, dégagez, quoi. Bon. Ça y est, je vais encore avoir des... Allez, on va essayer d'aller le voir. Voir un peu ce que ça donne. Alors oui, je sais, je reste pas pour regarder les... Regardez quand même ce pouvoir d'adaptation. Ça, c'est vraiment du... C'est vraiment à la mode frelon européen. Hein. C'est très propre de tout. Et là, ça y est, ça sort. Bon, ici, on m'en fout, maintenant j'ai le masque. Merci William. Merci Manon. Eh ouais, Manon. Hein, l'histoire de Manon avec les babouches et les knackis au bout des pieds, quoi. Oui, je sais. Eh ben, maintenant, n'empêche que... Eh, c'est marrant, je vois tous les petits dards qui arrivent. C'est génial. Eh ben, n'empêche que là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Vous voulez voir un peu l'état des galettes, etc. Oui, je vais vous les montrer. Ouais, ouais. Le seul truc, c'est que je sais pas comment je vais faire. Je sais même pas... Putain, j'ai l'impression que... Alors, 1, 2... Ça, c'est pour toi, Cyprien. Regarde comme je sais bien compter. 1, 2, 3, 4... Bon, ok, j'arrête. Non, je sais pas. Je sais pas combien j'en ai. Bon, allez. On va mettre le doigt dans le trou. On va voir comment ça craint. Et on va voir un peu ce que ça donne. Je vais poser ça parce qu'à un moment je travaille. Je sais pas ce que vous voyez. Là, je vous dis franchement. Ouais. Alors la planche. Ah non, si jamais je la sors, je me prends le doigt sur la tête. Voilà, là, 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 là. Ah ouais. Ah ouais, joli. Oh là là, c'est une... C'est une cascade de frelons. Je m'en doutais qu'il était balèze le nid. Mais là, à ce point-là, je ne sais pas. Après. Bon, bah écoutez, je vais quand même prélever une galette. On va aller voir un peu ce que ça donne. Enfin, bon, parce que c'est pas la peine. Ah, oh, c'est chaud, c'est agréable. J'aime bien. Voyons un peu où on en est de la ponte. Parce que c'est à ce moment-là où c'est intéressant de savoir. Qu'on a réellement. Ouais, ben voilà. Hein. On est bourré de larves. Donc, vous voyez, on est très loin de d'une saison finie, ça c'est certain. C'est très très loin d'être une saison finie. C'est assez énorme. Et là, le pire, c'est que demain il y a tempête. Et bon, j'espère que les nids dans les arbres, si vous les avez vus. Si demain vous les voyez plus, c'est pas la peine d'y aller. Hein. N'allez pas vérifier. Hein. Alors là, vu le nombre de frelons que j'ai sur le casque, je ne vois rien. Mais là-dedans, on devrait avoir des œufs. Je ne sais pas si on les voit. On voit tous les stades. Là. Peut-être que la reine, elle a même pas le temps de pondre. C'est assez marrant. Enfin, bon, allez. Du coup, maintenant, il faut que je fasse le sens. Il faut que je fasse le sens inverse, que j'aille là-bas. J'ai tous les frelons qui m'atterrissent sur la couane. Pouf. On va dire à Apple quand même que les mises à jour, ce serait bien que les frelons ne puissent pas éteindre le téléphone. Ça me ferait très plaisir. Enfin, bon, allez. Tout ça, c'était les frelons qui étaient dehors, comme d'hab. Vous savez, ils rentrent au nid pour se nourrir. Donc, on va les laisser faire. Hein. On va essayer de s'échapper. Là, je suis obligé de faire de l'escalade. C'est pas tip top. Après, en fin de compte, je suis content que le monsieur ne l'ait pas vu cet été, parce que bon, l'été, là-dedans, ça doit être un peu chaud, quoi. Ouh là là. C'est assez énorme, hein, quand même. Allez. On va essayer de repartir.
Et bon, je la sens bien là. Je sais pas sur quoi je suis. Mais bon, bon allez, sur ce week-end qui arrive à Tours, après rebonjour la Slovaquie, mais ça c'est un secret. Je sais pas par où je vais passer. Bon, je vais essayer de faire le tour. Enfin, pour voir un peu ce qui se passe, ils ont trouvé des nids, c'est bien, on en parlera plus tard. Enfin non, c'est pas bien, mais bon, ils ont fait un saut énorme, on en parlera sûrement. On va voir un peu comment ça se passe. Je reviens, je vous montre par où je passe. À 50 ans, on est moins agile qu'à 30, hein, moi je vous le dis. Ouais, je passe par là-dessous. Bah ouais, un garage c'est fait pour entreposer, le mien est un peu pareil. Hein. Hop. Engagez-vous qui disait, vous verrez du pays. Ah, c'est pas un boulot dangereux qu'il y en a un qui a dit. C'est juste pour faire gaffe, tu m'étonnes. Après, comme je lui ai répondu, une secrétaire aussi, c'est un boulot dangereux. Pas tous les boulots sont dangereux, en fait. Enfin, moi, c'est pas un boulot, donc... Moi, c'est un plaisir. Bon, allez. Ça y est, c'est fait. Sur ce, ben, les frelons ont lâché quasiment instinctivement. Ouais, ça c'est assez pratique. Ils refont leur petite vie, ils repartent, ils reviennent. Et ici, j'en ai plus un seul. Allez, sur ce, bye bye, la suite au prochain numéro. Dans la joie et la bonne humeur. Ah, ça fait du bien. Belle dégazée.